Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube Les Casseroles Magiques. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo dans laquelle nous allons cueillir des sparassis crépus dits morilles blanches. On va les cueillir, les nettoyer et les cuisiner. Avant de lancer la vidéo, je voudrais vous présenter notre boutique en ligne www.lescasserolesmagiques.fr. Vous trouverez le lien en bas dans la description. Dans notre boutique en ligne, nous proposons à la vente des champignons séchés à la main, cueillis par nous-mêmes et nos ramasseurs, des champignons à l'huile, de l'huile au cèpe, de la confiture de fruits sauvages et bien d'autres produits. En espérant que cette vidéo vous plaise, je vous souhaite un agréable visionnage à tous. Sortez votre boîte de pop-corn, installez-vous confortablement. Et c'est parti! Alors, pour la recette des pâtes au sparassis crépus, pour commencer, on va nettoyer le sparassis, dit sparassis ou morille blanche. Pour ça, il vous faut du vinaigre blanc. Tac. Vous mettez du vinaigre mélangé à de l'eau. Ensuite, vous mettez vos sparassis à l'intérieur. Prenez un petit pinceau. Enlever les saloperies, les saletés. Secouez les sparassis dans l'eau mélangée au vinaigre. Une fois nettoyé, je vous montrerai comment faire la recette.
Voici vos morilles blanches. Une fois nettoyées, à quoi elles ressemblent? On va arrêter le feu. Hop. Alors, pour la recette des pâtes aux morilles blanches, vous allez avoir besoin de 400 g de pâtes pennées, de 2 morilles blanches, d'une cuillère à soupe d'huile d'olive, de 4 échalotes, une tasse à café de vin blanc, un mug de bouillon de volaille, 20 cl de crème fraîche et, optionnel, si vous voulez, vous pouvez rajouter un jaune d'œuf à la fin du plat une fois qu'il est terminé. Allez, on se retrouve de suite. Alors, il va falloir que vous commenciez par ciseler les échalotes. Une fois qu'elles sont ciselées comme ceci, il faut que vous les rajoutiez directement dans la casserole avec une cuillère à soupe d'huile d'olive et que vous laissez fondre environ 2 minutes. On est parti. Alors, hop, on va allumer le feu. On ajoute les échalotes. Ensuite, on prend l'huile d'olive avec la grande cuillère. Et hop là. C'est parti pour 2 minutes. Ça y est, ça fait 2 minutes. On va pouvoir commencer à mettre les champignons, les morilles blanches. Hop. On va laisser cuire 15 minutes à feu moyen, le temps que les champignons rendent leur eau. Et on mélange de temps en temps. Allez, je vous reprends après. À de suite. Hop, voilà, ça fait 15 minutes. Maintenant, on va ajouter une cuillère à soupe de vin blanc et on va laisser réduire. On va rajouter une petite noisette en plus. Ouais. Une demi-cuillère en plus. Bien. Tac. Et on laisse réduire. Maintenant, on va ajouter notre bouillon. Alors on va laisser réduire pendant environ 15 minutes, mais cette fois-ci à feu doux. Tac. Voici notre bouillon. On va baisser le feu. Hop. Feu doux. Et on laisse 15 minutes supplémentaires.
Maintenant, mettez vos 20 cl de crème fraîche et laissez cuire pendant 10 minutes. Pendant ce temps, faites bouillir votre casserole et ensuite faites cuire vos pâtes. Hop, mettez la crème fraîche. Et vous laissez pendant 10 minutes. Hop là. Faudra retirer les pâtes 2 minutes avant qu'elles soient al dente et les mélanger dans les champignons avec la crème. Hop, c'est bon maintenant, on va retirer les pâtes. On va récupérer un petit peu d'eau de cuisson pour finir de les cuire dans la poêle avec les champignons. Ça sera bientôt prêt. Ça y est, votre plat de pâte au mori blanche est terminée. Vous les servir et vous régaler. Pour plus de recettes, abonnez-vous à ma chaîne. Allez, ciao!